verrouiller le bloc 7. Allez, avance, Shiv. Ouais, tu te prends pour un héros, hein. Identification du prisonnier 117. Shiv, Elix. Tu crois que tu peux me mater, sale poulet? J'ai éclusé les trous les plus sordides de l'univers. Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulons. Les fosses de l'éternité de Zordum. Les cachots de fer de Novalis. Les... Bien le bonjour, le nouveau, je suis... Le capitaine Quark? J'y crois pas. Vous ici? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez? Bon, ça suffit comme ça. C'est à toi que je m'adressais, Zed. Oui, capitaine. Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures. Et comment? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie. Il est plus aussi célèbre. C'est pas sympa, ça, Bill le solitaire. J'adore ce que vous faites. J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet et Clank. Le quoi? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax. Oh, tu veux sûrement dire l'holofilm? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu. Il est inspiré de l'holofilm. Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais envoyer direct en prison. Ils font un jeu basé sur un holofilm basé sur ma vie? Mais ils ne m'ont même pas consulté. Oh, c'est ma faute. Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de mes fans en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, capitaine. C'est vrai? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet. Où est-ce que tu vas comme ça? Hé hé, Grim, t'es là? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Eh bien, je suis là. Je suis toujours là. Tes cachotteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques, par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques, là. Le capitaine Quark sera là. Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de Monsieur Micron. Occupe-toi de ce cranco-boulon. Ce vaisseau t'a l'air aimanté. Occupe-toi de ce cranco-boulon, allez. Allez, essaie-le. Voyons si ces nouvelles Versa ampoules fonctionnent. Lève la tête, tu vois quelque chose clignoter? Ouais, à gauche, c'est bon. C'est un miracle. Passons au feu du... Lumière, propulseur inférieur gauche, ok. Ce truc va peut-être finir par décoller, après tout. Propulseur inférieur droit, ok. Bon, je peux y aller? Ouais, c'est bon. D'après les infos, les épreuves de sélection se tiendront à la fête foraine. Mais en leur plein la vue. C'est ainsi que Ratchet entama son périple, dans l'espoir de devenir Ranger Galactique. Salut, habitants du plateau de Kizik. Il est 8h et la journée s'annonce chaude. La première information du jour est triste. La nuit dernière, vers 20h13, la planète Ténémule a été détruite par ce qui semble être une super bloc. Ratchet frappa ses ennemis grâce à sa fidèle super-clé. Il est KO. Pour vaincre ses ennemis, Ratchet utilisa une vénérable technique ancestrale de guerrier, le saut. Je
Ratchet savait que des dangers mortels l'attendaient. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de nanotech pour se soigner. J'en ai utilisé après avoir cambriolé une banque une fois. Ça a guéri genre 3 blessures par balle sur 5. N'avait absolument aucun respect pour la propriété publique. Non mais regardez-le démolir ses caisses, vandale. Peut-être qu'il essayait de faire le plein de boulons pour acheter une arme qui lui permettrait de sauver la galaxie. Hé, hey, c'est qui le narrateur de cette histoire? Les ennemis vaincus, Ratchet reprit sa route. Sa destination, sa destinée. Je vous en prie. Bien joué! Tu seras peut-être notre nouvelle recrue. Continue vers la suite du parcours. Bonjour, petit. Je m'appelle Brax Lectrus et ma spécialité, c'est la force brute. Voyons si t'arrives à détruire toutes ces caisses. Bon, c'était pas mal du tout. On continue. Voyons comment tu te débrouilles avec une arme. Prends donc un gant à fusio-bombe chez ce vendeur gadgetron. Je vais peut-être atteindre mon quota cette semaine. Génial! Étape suivante, tout faire sauter! Ennemis à terre! La galaxie de Solana est un endroit dangereux. Comme le prouve la grande quantité de munitions laissées un peu partout dans des caisses. Holocarte, cool! Pour pimenter un peu les choses, ces mannequins sont armés de lance-flammes gadgetron. D'après nos avocats, c'est légal. Bien joué, petit.
pourrais bien devenir le prochain Ranger Galactique. Dirige-toi vers le dernier défi. Allez, Ratchet, tu peux y